Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un méga, giga, extra, énormissime haul Action. Oui, ça fait un mois et demi à peu près que j'ai pas été chez Action. Et je vous avoue que là, ça faisait au moins une semaine que je me disais, oh, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et j'ai enfin craqué, j'y suis allée aujourd'hui. Mais alors, je peux vous dire que j'ai totalement craqué. Donc, bah, aujourd'hui, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. D'ailleurs, il y a quelques petites choses pour Noël. J'ai commencé à acheter quelques petits cadeaux de Noël. Donc, voilà. Je vais vous montrer d'abord les deux plus énormes petites choses. Enfin, petites grosses choses. Qui sont à côté de moi et que j'ai acheté pour ma fille. Ce sont des énormes coffrets comme ceci à 12,95€. Celui-ci avec le château de princesse. Je ne sais pas exactement combien vous avez de pièces, mais vous en avez un paquet. Hein, en dessous là, vous avez vraiment un paquet de pièces. Et pour 12,90€, je trouvais que le château comme ça, il était trop beau. Et je me suis dit pour Noël, ça allait être parfait pour elle. Et j'avoue qu'elle aussi, elle a craqué dessus, elle était avec moi, mais elle va oublier d'ici Noël. Et je lui ai acheté aussi les tables, toujours à 12,90€, voilà, avec des chevaux, les petites voitures, voilà, tout à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, il y a tout le détail ici de toutes les pièces. Donc bah, je suis trop contente de cette trouvaille. Il y avait plein de cadeaux de Noël qui étaient déjà arrivés pour les petites filles, pour les petits garçons aussi. Bon, pour mon fils, il y avait un petit peu moins de choix, mais j'ai quand même trouvé des petites choses pour mon fils que je vous montrerai après, qui sont cachées au fond. J'ai acheté comme basique des papiers cadeaux. Je vous mettrai à chaque fois les prix hein, quelque part ici. C'était 75 centimes hein, de toute façon les papiers cadeaux. Donc ça c'est... Je les achète tout le temps quand je vais à Action. Je continue. J'ai craqué. Je voulais pas craquer pour ça. Hein, parce que j'en ai pas spécialement besoin. Mais à 1,89€ j'ai hésité. Et du coup je l'ai pris et je me suis dit que j'allais le customiser. Je vous le montre. C'est un agenda de chez Action comme ceci. Il est voilà, écrit 2018 en holographique à l'intérieur. Je vous montre pas l'intérieur, je pense que je ferai une vidéo customisation sur cet agenda. Oui, j'en ai un déjà que j'ai customisé pour ma classe, hein, je vous invite à aller revoir mon DIY agenda Action. Mais je me suis dit que celui-ci, pour la maison en fait, pour rester à la maison, pour écrire tous mes rendez-vous médicaux, etc. Parce que celui-là de la classe, c'est vraiment que pour mes réunions de la classe. Et celui-là, je me suis dit que c'était un peu mon happy planner, mais il se termine à la fin de l'année, en décembre là. Donc voilà, pourquoi pas celui-ci, on verra bien si j'utilise ou pas, mais bon. En papeterie encore, j'ai acheté des petits stickers. D'ailleurs qui ont pris un petit peu cher, ces petits stickers là, donc un peu sur le thème l'automne et l'hiver, avec des petits mots doux, des petites flèches, des petites pommes de pin, voilà, des petites citrouilles. Je le trouvais plutôt sympa, plutôt soft et très joli, donc voilà. Et celui-ci un peu plus sur le thème de l'hiver, et il y avait des petits attrape-rêves comme ça aussi derrière que vous allez voir qui sont trop jolis avec des petites plumes. Donc ça m'a plutôt plu, donc je me suis dit bon, il y en avait plein d'autres, mais j'avais pas envie de craquer. Pour mes élèves, j'ai pris ce petit truc là, qui sont des sortes de feuilles pré-imprimées pour que vous puissiez faire vous-même les diplômes. Et il y a les espèces de stickers comme ça, il y avait écrit excellent. Donc faire des petits diplômes. Donc je me suis dit peut-être qu'en fin d'année, je ferai le certificat du CP ou je verrai un petit diplôme. Voilà, aussi pour mes élèves, ça pouvait être. Pour envoyer les ventes que je fais sur... sur les réseaux, sur Facebook, etc., les ventes de make-up ou autres. J'ai pris des petites enveloppes, c'était 69 centimes le lot, donc j'en ai pris deux. Donc il y en a quatre à l'intérieur, ça c'est toujours utile, c'est pratique, donc bon. Pour la cuisine, à chaque fois que je suis à Action, j'en reprends parce que c'est vraiment pas cher par rapport à ailleurs. C'est tout ce qui est papier de cuisson, aluminium et papier film fraîcheur, vous savez, le film transparent. Donc voilà, je les ai rachetés, les trois là-bas, c'est vraiment moins d'un euro, donc je les reprends. J'ai pris aussi deux pelotes de laine pour faire mes tricotins. Vous êtes nombreuses à me demander de plus en plus bah, de vous réaliser des tricotins, donc bah, j'en suis ravie. J'ai pris de la qualité un peu plus, de la meilleure qualité on va dire en pelotes de laine, et de l'épaisseur un peu plus élevée pour que ça fasse des plus jolis tricotins. Et du coup là j'ai pris un joli vieux rose et un joli gris foncé que je n'avais pas dans mes pelotes, parce que je n'avais pas 50 milliards encore, mais j'en suis ravie. J'ai pris quelques gourmandises, alors de chez Action, vous savez, pour Noël, mais c'est pas du tout pour moi. Donc je vais vous les montrer. Parce que je voulais en fait réaliser pour mon remplaçant du vendredi, vous savez que je suis enseignante. Et le vendredi je travaille pas, donc j'ai un remplaçant. Et du coup je voulais lui faire un petit panier aussi avec des petits cadeaux pour Noël, ainsi que pour ma collègue qui fait beaucoup de choses pour moi, qui m'aide beaucoup, avec qui je peux faire le projet cirque. Je voulais leur faire un petit, voilà, un petit lot avec des petites cochonneries. Donc là j'ai commencé par leur prendre chacun une boîte comme ça de pralines à l'intérieur. Ça valait pas très cher hein. Et après je sais pas à quoi ils sont exactement, mais je pense que c'est des pralines à la noisette basique, hein, trop au chocolat quoi. Et j'ai pris ça c'est pour mes élèves, pour leur faire un calendrier de l'Avent.
D'ailleurs, ça me fait penser que, bah, du coup, comme ils sont pas 24, ils sont 12. Il va falloir que je vois comment je fais le calendrier de l'avant. Mais voilà, pour mes élèves, ça c'est aussi pour offrir à ma collègue ou mon collègue, je verrai bien. Donc des petites sucreries. Ma fille, elle voulait absolument me prendre ça, mais ça va pas être du tout pour elle. Je pense que je vais les prendre pour mes élèves. Donc les petits bonbons comme ça avec des sortes de dentiers là, ça va être pour mes élèves aussi, pour Halloween. Dans ma voiture, ils ont eu chaud les chocolats, mais bon. J'ai pris un petit sachet comme ça pour mes élèves encore une fois. Et des Reese's, mais alors là pareil, ils ont fondu quoi dans ma voiture. Il va falloir que je les mette au frigo, mais c'est trop dommage. J'en ai trouvé, donc j'en ai pris à 89 centimes. Je suis ravie d'avoir trouvé enfin les Reese's à Action quoi. Ouah. Ensuite, j'ai craqué pour de la papeterie comme toujours. Je me suis pris ce petit truc là, je sais pas si c'est sympa ou pas, mais c'est une sorte de mini dividoir à ruban adhésif. Pour ma classe, parce que je me dis que ça peut être peut-être plus pratique. Je sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais voilà, c'est en sorte de... On peut le prendre comme ça à la main et comme ça vous scotchez. Un peu comme ceux qui existent pour les cartons de déménagement. Voilà, là c'est une version normale. J'ai pris ça, même si Mélanie me les a offerts déjà dans notre box du mois de octobre. Je vous invite, je vous mets la vidéo ici et je vous invite à aller nous rejoindre sur notre chaîne YouTube commune Friends Mum. Elle m'a offert ça en fait dans ma box, mais il s'avère qu'il n'y en a qu'une dedans, je crois, une lettre dedans. Donc je me suis dit que j'allais les reprendre pour pouvoir faire plusieurs mots et ne pas être bloqué quand il faut deux mêmes lettres dans un même mot. Donc voilà, ça valait pas très cher, donc j'en ai pris de chaque couleur. Pour mon frigo, je me suis pris ça parce que je trouve ça trop mignon, des petits magnètes comme ça. Et pour mes élèves, encore une fois, pour faire avec eux, réaliser des sortes de petites guirlandes comme ça, en version argentée ou en version or. Il y a tout le petit tuto derrière pour réaliser ça. Le papier, voilà, vous avez toutes les formes, ils sont prédécoupés. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, avec, ben, vous pouvez après les suspendre, etc. Donc je me suis dit qu'avec mes élèves, j'allais les réaliser. Et comme ça, ben, ils pourront les emmener chez eux avant de partir en vacances. C'est vraiment un petit plus. Toujours pour moi et pour mes élèves, j'ai acheté des crayons comme ça, or et argent. Il y en a trois, il y a deux gold et un silver, donc un argenté. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour mes élèves, ça coûtait vraiment pas cher, 49 centimes, c'était vraiment une belle affaire. Et toujours pour mes élèves, après j'arrête avec mes élèves, hein, je pense que c'est tout, moi je sais plus. J'ai pris des petites étiquettes comme ça, toutes jolies, toutes dorées pour faire mes papiers cadeaux. Parce que comme je vous ai dit, je vais leur préparer un petit calendrier de l'Avent et du coup bah, j'aimerais bien leur offrir des petites poches. Et j'aimerais bien fermer avec ces jolies choses. Pour emmener à l'école, encore une fois, j'ai pris un chargeur. Et cette fois-ci, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'embout pour mettre dans la prise. Parce que d'habitude, vous pouvez acheter les chargeurs comme ceci, là, juste le fil. Mais là, il y a l'embout pour la prise. Et je me suis dit que j'allais le laisser dans ma classe. Comme ça, quand je suis en galère de chargeur, parce que je suis tout le temps en train d'emmener mon chargeur, bah, je me dis que celui-ci restera dans ma classe. Ça sera très bien et très utile. Même si j'utilise pas beaucoup mon téléphone dans la journée, bah, il s'avère que la batterie, elle part quand même. Dès que je regarde un petit peu internet, ça part. J'ai repris ça pour mon planeur, pour pouvoir faire, pour coller un petit peu tout. C'est une sorte de roll-on avec de la colle. Des petites punaises blanches parce que j'en voulais pour un tableau que j'ai chez moi. Et en tout ce qui est scrap, j'ai pas pris grand chose. Ces petits ornements, un petit peu là comme ceci, avec pour décorer mes petites pages de scrap. Quand je vais m'y remettre. Oui, oui, il faut que je m'y remette. Au niveau nourriture, j'ai pris ça, du lait de coco. Je sais pas du tout s'il est bon ou pas, mais il m'a donné envie. Je l'avais vu dans une vidéo. Oui, je fais mon mouton souvent. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai fait vraiment mon mouton pour d'autres choses. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Des sacs poubelles. Oui, oui. Transcendant. Ensuite, j'ai craqué pour mon fils aussi pour lui acheter des petites choses. Alors, on dirait un petit jouet pour les chats, mais non, non. C'est bien pour les enfants. C'est une petite boule comme ça qui fait du bruit. Et comme je vois qu'Oran il commence déjà à avoir envie de toucher à tout, de jouer, de s'asseoir. Donc je me suis dit que ça allait être parfait pour lui quand il va pouvoir s'asseoir vraiment bien. Il a 6 mois hein, je le rappelle. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait lui plaire. Même si ça fait un petit peu boule pour les chats, ma foi ça a l'air plutôt pas mal. Et pour lui encore une fois, je lui ai pris ce petit truc là. J'ai toujours voulu l'acheter pour Kayla. Avant, chez Emma, je crois qu'il y est, mais il coûte plus cher. Hein. Là, il coûtait 2 euros ou 3 euros. Et chez Emma, il coûte 8 euros, un truc comme ça. C'est une sorte de planche comme ça. Et votre enfant tape avec un petit marteau pour faire bah, comme s'il plantait des clous, en fait. Et du coup, bah voilà, je me suis pour Oran. Pour Noël, ça allait lui plaire. Après, il sera peut-être encore un peu petit. On verra, mais ça lui servira dans l'année qui vient de toute façon. Puisqu'après, il va avoir un an et du coup, ça lui servira. Pour
Pour mes enfants toujours, j'ai acheté des sacs à couches, mais c'est toujours utile, c'est toujours pratique, c'est top. Des Maltesers, alors j'espère qu'ils n'ont pas trop fondu dans ma voiture, parce qu'il y a eu un petit coup de soleil là, je sais pas, le soleil a décidé de se pointer et du coup voilà. Donc des Maltesers, moi je suis une grande fan de Maltesers, je sais pas si c'est votre cas, mais j'adore. Sous les conseils des copinotes qui font des hauls actions, dont ma copine Uriel de la chaîne H Cosmétiques, j'ai acheté cela. Alors je me rappelais plus exactement lesquels étaient ses préférés. Elle a dit qu'il y en avait un, c'était genre du tonnerre, c'était trop bon, mais je ne sais plus lesquels. Donc bon, j'ai pris un de chaque, comme ça je me suis dit, bah au moins comme ça je vais goûter et je verrai bien lesquels sont les meilleurs. Donc c'était pas donné, hein, c'était 1,79€ je crois, les trois. Donc c'est, moi je trouve ça un petit peu cher pour 3 barres de céréales, mais paraît-il qu'elles sont très bonnes. Donc je vais goûter. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une vidéo miam miam un peu avec mon avis sur plein de gourmandises ou pas que, même du thé etc, que j'ai aimé ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce style de vidéo un petit peu pour comme les produits terminés mais de la gourmandise et du thé. Vous avez été nombreuses à me dire que mes vidéos étaient trop blanches, mais j'arrive pas à régler mon satané appareil photo, je ne sais pas pourquoi il veut pas me rendre moins blanc. Donc j'ai l'impression que c'est mieux au niveau de la luminosité, c'est peut-être un peu même moins clair. En tout cas j'ai fait mon mouton et j'ai pris les produits ménagers, soi-disant clean, etc. Je me suis dit pourquoi pas tester, ils étaient vraiment pas chers, autour de 1,99€ et celui-là 1,20€ je crois. Donc je me suis dit bon pourquoi pas. Donc ça c'est un nettoyant pour la cuisine, pour que vous utilisiez en fait sur vos surfaces toutes simples. Au citron et au poivre noir, il sentait très bon. Il y en avait un deuxième un peu rose qui sentait aussi très bon, mais je préférais l'odeur du citron qui est un peu plus fraîche. Donc je testerai très prochainement. Toujours dans la même collection, hein, bah du coup j'ai pris le liquide vaisselle. Je sais pas s'il est top, mais bon. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait mon bouton, je vous dis. J'ai fait mon bouton. Et le spray pour l'air qui sont bons. D'ailleurs, ils sont très bons à la lavande et au patchouli. Moi, j'aime pas spécialement le patchouli, mais là, je trouvais qu'ils sont bons. Donc, à 1€, je me suis dit pourquoi pas. J'ai presque fini mon sac, dis donc, en fait, ça a été vite. Hein. J'étais hyper rapide. Hein. C'est quand même un méga haul parce que j'ai hyper cher, d'où les cadeaux, enfin, les cadeaux de Noël, voilà. Ça aide pas. J'ai craqué pour ce truc-là. Oui, j'ai craqué, entre guillemets. J'ai enfin trouvé ce petit truc-là. C'est un toilette, un spray pour les toilettes, un nettoyant pour les sièges des toilettes que vous pouvez emmener comme ça dans votre sac. Bon, il est un peu gros quand même pour emmener dans mon petit sac, mais dans mon sac allongé, je pense quand voilà, vous voulez aller dans les toilettes publiques et que vous voulez pas vous asseoir sur les toilettes, et ben vous pouvez nettoyer avec ça. C'est un petit spray. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les trois quarts des toilettes, vous trouvez déjà du nettoyant comme ça, et vous nettoyez vous-même la cuvette des toilettes avant de vous asseoir, et je trouve ça très bien, mais en France, il y en a pas partout. Du coup, c'est casse-pied. Donc moi, j'étais contente de trouver ce petit truc-là. Et ça va bien me servir parce que c'est vrai que quand on est en voyage, en vacances, etc., qu'on s'arrête dans les stations essence, j'aime pas trop. Et ensuite j'ai craqué, c'est pour ce petit truc là, oui j'ai pris des trucs ménagers. La bottle cleaner, c'est une sorte de nettoyant pour bouteilles. Alors je me dis que peut-être pour les biberons ça peut être pas mal aussi. Ils disent que les bouteilles réutilisables, vous savez les bouteilles que vous remplissez à chaque fois et que vous n'allez pas jeter les bouteilles un peu en plastique dur, pas celles que vous jetez au fur et à mesure. Et ben ils disent que ces bouteilles là elles sont des nids à microbes et que du coup pour les nettoyer c'est bien d'avoir ce petit produit là. Vous remplissez votre bouteille d'eau, vous mettez deux chip-sheets de ce produit là et vous pouvez nettoyer correctement la bouteille soi-disant. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, ça me donne envie. Et les derniers craquages de fou. Oui, craquages de fou. Des bonbons. Alors j'ai pris des bonbons, des sortes de tubes comme ça à la fraise. C'est pas pour moi, c'est pour mes élèves puisque j'ai fêté mon anniversaire avec eux. Et j'aime bien ramener des petits bonbons, faire des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Pour mes élèves, j'allais dire non. Pour mes enfants, j'ai acheté des cotons, vous savez, pour les oreilles, hein, des cotons-tiges spéciaux pour les enfants. Spéciaux, pardon, pour les enfants. Oui. Et pour finir, j'ai pris ce fameux truc-là. Je l'avais vu dans plein de vidéos. Et à chaque fois, je me disais, ah, faudrait que je le trouve et tout. Il coûte 1,19€ d'ailleurs, je crois. Il est pas très cher. C'est à l'aloe vera et à l'olive. À l'huile d'olive. C'est un savon pour les mains, pour le laver. La marque organique. Donc, je trouvais le packaging très sympa. Il fait un petit peu design, salle de bain chic, vous voyez. Donc, je trouvais, ma foi, très sympa. Bon, bah, finalement, c'est un craquage qui est pas... Ah si, j'avais oublié les dernières trouvailles que j'ai faites. J'ai trouvé un joli miroir comme ça. J'avais vu plein de filles l'acheter sur Amazon. Et ben moi, je l'ai trouvé chez Action. Et en plus, je suis contente parce qu'il existe en noir, en rose et en blanc. Mais moi, j'ai trouvé en blanc. Et je le voulais en blanc. Donc, c'est un grand miroir comme ça que vous pouvez mettre des petites piles derrière et ça s'allume. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, là, l'hiver arrive pour me maquiller. Ça sera bien pratique. Donc, il y a 16 petites LED dessus. Donc, ça me plaisait bien.
Voilà pour mes craquages chez Action. N'hésitez pas à me dire vos dernières trouvailles. D'ici 2 semaines, je vais partir à Lille. Enfin, d'ici très prochainement, je vais partir à Lille. Et du coup, j'ai hâte d'aller aussi dans les Actions là-bas parce que je trouve que là-bas, c'est beaucoup mieux qu'en région parisienne. Je trouve plus de choses, surtout en scrap. Et d'ailleurs, j'ai vu des merveilles en scrap là qui arrivent. J'ai vu des lots de washi tape et tout, de trop beau. J'ai hâte de les trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits pouces en l'air, à me dire vos trouvailles, vos dernières trouvailles, et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Et j'ai oublié de vous montrer une dernière chose dans mon haul Action. La nunuche que je suis a oublié de vous montrer cette petite merveille que j'ai trouvée. Oh, trop belle. C'est un miroir en fait, comme ça. Donc voilà, vous voyez. Et il est rempli de strass sur les bords. Ils sont trop jolis. Je trouvais que, voilà, posé comme ça sur une table avec des produits dessus, je trouvais magnifique. Il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je le trouve trop beau.